Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, la foule dit à Jésus : Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire ? Quelle œuvre vas-tu faire ? Au désert, nos pères ont mangé la manne, comme dit l'Écriture. Il leur a donné à manger le pain venu du ciel. Jésus leur répondit : Amen, amen, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel. C'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent alors : Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. Jésus leur répondit : Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Acclamons la parole de Dieu. Fruit de notre méditation, tu n'auras plus jamais faim. Les Juifs sont à la fois subjugués et sceptiques. Nous voulons bien te croire, mais que vas-tu faire pour que nous puissions te croire? Que vas-tu nous donner? Lentement, Jésus leur a fait abandonner l'idée du pain matériel et même de la manne qui pour eux reste le grand miracle d'un pain venu du ciel. Non, le vrai pain venu du ciel, c'est celui qui descend du ciel pour donner la vie au monde. Seigneur, demande-t-il, de plus en plus impressionné, donne-nous ce pain, donne-nous cette vie. Moi, dit Jésus, je suis le pain de la vie. Le pain qui peut nourrir toutes vos faims. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Une pareille déclaration aurait dû retourner tous ceux qui écoutaient cet homme. Un fou mégalomane. Il faut le lâcher tout de suite. Mais si c'est vrai, et c'était vrai. À notre tour, écoutons cela. Je peux nourrir toutes vos faims. Loyalement, osons-nous poser la question. Sommes-nous rassasiés par Jésus? Comble-t-il toutes nos faims? Pourquoi nos recherches parfois si loin de lui? Nos longs moments sans lui, nos tristesses, nos insatisfactions, nos peurs de l'avenir. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Nous allons trop vite à n'aura plus jamais faim. Notre méditation d'aujourd'hui doit rester longuement sur celui qui vient à moi. Celui qui vient à moi. À promesse folle et l'en fou. Je viens à toi, Seigneur.
Je n'ai honte d'aucune de mes fins. Je sais que toi seul peux les combler.